Commencer par te remercier, Odile, et toute l'équipe de la librairie pour cette invitation. Si on m'avait dit un jour que j'aimerais parler de ce livre à Athènes, voilà, c'est très très agréable. Et je remercie Laurent d'avoir été l'intermédiaire dans cette histoire, et puis Diamadis, qui est quelque part. Qui a miraculeusement réglé le problème de la projection des images. Je crois que Laurent voulait dire un petit mot d'abord, si tu veux. Enfin, bon, Oui, je vais faire une brève présentation du livre. Enfin, donc, en fait, moi, j'ai découvert ce tableau il y a une quarantaine d'années en me promenant au National Gallery de Londres. Et alors, comme ça, dans un musée, c'est assez étonnant parce que on se promène par des chefs-d'œuvre, comme ça, puis d'un seul coup, par je ne sais pas pourquoi, par le mystère des choses, on est arrêté par une œuvre plutôt qu'une autre. Et cette œuvre qui m'avait arrêté, c'était justement ce tableau-là des époux de Arnolfini et de Van Eyck. Et donc je me demandais pourquoi ça m'avait comme ça interpellé. Et en fait, j'ai trouvé une image assez équilibrée, très sensible aux gestes très délicats de ces époux-là. Je me suis dit, c'est vraiment une très très belle image. Et puis en regardant comme ça, en me laissant absorber par cette peinture, j'y voyais des choses beaucoup plus ténues. Par exemple, l'habit noir du personnage, son expression un peu vitreuse, voire fantomatique, me troublait un peu. Et de même que cette espèce d'œil qu'il y a au centre, qui avait autant d'importance que les personnages, me troublait un peu. Et j'y voyais le reflet, en fait, d'autres personnages qui entraient dans une pièce. Et je me suis dit, tiens, c'est assez amusant parce que comment dirais-je, les personnages, en fait, qui sont représentés, c'est un peu nous, les observants. Donc je voyais une sorte comment dirais-je, de mise en situation de moi-même dans cette étant moi-même le témoin de cette scène-là, et ça me faisait penser un peu à ce que produira plus tard Velázquez dans les Minimes. Et d'autre part aussi, j'étais assez sensible par le comment dirais-je par la lumière venant de la gauche comme ça, qui inondait le sujet. Et puis je voyais aussi, je pensais à Vermeer, qui reprendra à peu près les mêmes procédés, mais avec la même symbolique, je pense, de la lumière, mais dans une lumière beaucoup plus sensuelle. Et je revenais toujours aux premières constatations que j'avais faites, c'est qu'il y avait quelque chose de vraiment glacé, de vitreux. Ce personnage me paraissait vraiment comme une sorte de fantôme. Et j'étais parti sans réponse, ça me paraissait paradoxal. Et à cette époque-là, je travaillais dans un organisme qui s'appelait le Fonds national d'art contemporain, qui était chargé, qui a été créé par André Malraux, chargé d'acheter aux artistes, des artistes contemporains, et ces œuvres étaient prêtées à des musées, et à des ministères ou à des mairies, enfin tout ce qui était des institutions culturelles et étatiques. Et une de mes charges était de recevoir soit des maires ou soit même des ministres. Et j'apercevais, enfin je notais comme ça que la peinture était quelque chose qui permettait tout de suite une approche assez intime, contrairement à peut-être à la philosophie où les explications d'une œuvre sont plus difficiles, à la musique classique où encore c'est encore plus difficile de parler d'une sonate de Brahms, alors que la peinture, tout de suite, les gens vous disent: ah, est-ce que j'aime ça, ce que ça me paraît intéressant. Et je notais donc ce rapport à l'image qui était tout à fait immédiat.
Après, j'ai travaillé donc au musée d'Orsay, chargé du design des cadres d'art graphique, et où moi j'invitais aussi des ébénistes pour choisir les essences des bois, etc. J'étais même invité aussi par des architectes pour mettre en scène les expositions. Et l'idée m'est venue d'inviter en fait des amis dont fait partie Jean-Philippe, passionné par la peinture, non pas par le divertissement comme ça léger, mais vraiment l'intérêt de l'univers des formes, les interrogations sociales que la peinture les permettait. Mais c'était aussi un divertissement, une grande promenade dans ce musée, parce que ça se passait le lundi, qui était le jour de fermeture. Donc on pouvait vraiment parler d'une manière très aimable de ces peintures. Et un jour, je reçois le livre de Jean-Philippe, et je vois que c'est sur ce couple-là. Donc je me dis, tiens, ça va peut-être répondre aux questions d'il y a 40 ans. Mais je me suis dit, tiens, encore un autre livre sur ce sujet, parce que j'avais lu quelques historiens d'art qui parlaient du paradoxe de cette peinture, mais sans pouvoir y répondre, très brièvement, et mettant les œuvres toujours en perspective entre l'école du Nord, l'école du Sud, etc., etc. Et donc je lisais ça dans le même sentiment que la phrase de Daniel Pénac. L'écriture de Jean-Philippe m'a tout à fait entraîné dans la découverte de cette peinture. Non pas à la manière d'un roman policier où on cherche un coupable, mais vraiment celle d'un chercheur qui s'arrête sur l'image. C'était un peu comme, je le disais à Jean-Philippe, un peu comme Alain Jaubert dans sa série Les palettes qui sont passées sur Arte. Mais là, l'écriture permettait vraiment une lecture et une explication approfondie de tout ce qui figurait dans cette peinture. Et chaque chose, chaque iconographie était analysée, tant du point de vue, on va dire, métaphysique, philosophique, historique, les supports, les médiums, etc. Y compris même la petite anecdote que je trouve tout à fait amusante, c'est que Jean-Philippe a observé cette peinture avec une loupe au musée. Et donc c'est la seule notation un peu policière, oui, à Londres avec une loupe, ça faisait penser à un personnage très connu. Mais Jean-Philippe allait découvrir, lui, dans le miroir, quelque chose qui apparaît quasiment pas ou pas du tout à l'œil nu, une sorte de sfumato qui allait donner une sorte de sens hétérogène à toute cette œuvre-là. Et l'image que l'on a en fait suite à ce livre-là, c'est que l'image qui est présentée là est une première image, disons une première image d'approche, mais derrière figure une autre image avec des sentiments bien plus terribles. Voilà, c'est la présentation que je voulais faire. Et remercier Odile pour avoir organisé cette soirée, et que lui dire aussi que cette librairie était un peu, pour moi, était une île au trésor. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. Oui, donc on va parler un petit peu de ce tableau ce soir, de cette image. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette image ? Elle nous montre un homme, une femme, qui nous font face, debout, dans une chambre. Au premier plan, devant eux, un petit chien qui est le seul à nous regarder, à regarder le spectateur. Sur le mur du fond, un miroir qui mesure 5 cm dans le tableau, qui est magnifiquement peint, qui reflète donc la scène de la chambre. On voit les personnages vus de dos, on voit ces deux petits personnages rouges et bleus dont parlait Laurent tout à l'heure qui apparaissent dans l'encadrement d'une porte. On voit par la fenêtre des reflets d'un verger, de maison.
Et autour du miroir, 10 petits médaillons qui représentent des scènes de la Passion du Christ. Alors, de bas en haut et de gauche à droite, il faut juste que... Voilà. Ah non, c'est raté. Enfin, en bas, on a le Christ au Jardin des Oliviers, ensuite l'arrestation du Christ, le Christ devant Pilate, la flagellation, le portement de croix, la crucifixion tout en haut, ensuite la descente de croix, la mise au tombeau, le Christ dans les limbes et la résurrection. Alors, ces petits médaillons, on voit le reflet du soleil comme sur un verre de montre sur certains d'entre eux. Ils font moins d'un centimètre de diamètre chacun. Et on voit par là que Van Eyck était véritablement non seulement un grand peintre, mais un grand miniaturiste aussi. Alors, au-dessus du miroir, une inscription qui est assez mystérieuse. Johannes de Eyck, Fruit Eyck. Et en dessous, ces chiffres arabes, 1434. C'est une inscription étonnante parce que l'habitude des peintres est de signer fekit ou complewit, c'est-à-dire à fait ou à achever. Et là, c'est pas ça, c'est Jan van Eyck fut ici ou fut celui-ci en 1434. C'est-à-dire que ça nous dit pas que le tableau a été peint en 1434, mais que la scène représentée date de cette époque. Et il y a une ambiguïté donc, dans cette inscription. Alors si on continue, voilà, on voit que le tableau est vraiment divisé en deux moitiés par l'axe vertical du chandelier. Hein, il y a vraiment deux camps, hein, du côté de l'homme et du côté de la femme. Alors, vous remarquerez que la main de l'homme se trouve dans le territoire de la femme. C'est un détail qui aura son importance tout à l'heure. Et cet homme et cette femme, donc l'homme tient très délicatement la main droite de la femme dans sa main gauche, et il lève sa main droite en un signe qu'on peut interpréter comme un signe de promesse ou de serment face à la main tendue de la femme. La femme regarde très attentivement la main de l'homme qui est orientée sur sa main, et l'homme, lui, regarde complètement dans le vague, dans le vide. Voilà. Alors, à partir de ce... la scène se situe dans une chambre qui dégage à la fois une impression d'austérité, et quand on analyse chacun de ces éléments, elle est très, très luxueusement meublée. Il y a un chandelier magnifique suspendu au plafond, il y a ce miroir dont on a parlé. Il y a ce lit couvert de velours rouge, une chaise contre le lit, un fauteuil. Et à partir de cette image, on a proposé toutes sortes d'interprétations, une bonne dizaine, à commencer par les époux Arnolfini dont on parlait tout à l'heure. Alors, d'où vient ce titre du tableau, Les époux Arnolfini ? Ça vient d'une description qui date de 1516, qui est dans un inventaire de Marguerite d'Autriche, qui a fait faire l'inventaire de sa collection de tableaux dans son château de Malines en 1516. Et le tableau, à l'époque, est ainsi décrit, un grand tableau qu'on appelle Ernou le Fin, avec sa femme, deux dans une chambre, qui fut donné à madame par Don Diegue, c'est Diego de Guevara, les armes duquel sont en la couverte du dit tableau, fait de la main de Johannes. Donc Johannes, c'est Van Eyck. La couverte du dit tableau. Alors donc le tableau avait été donné par Don Diego de Guevara, qui a commencé comme page à la cour de Philippe le Bon et qui a fini majordome de Charles Quint, donc qui a connu plusieurs générations. On dit que c'est lui qui a récupéré le corps de Charles le Téméraire à la bataille de Nancy. Hein, voilà, c'est ça. Et la couverte du dit tableau, donc les tableaux à l'époque pouvaient avoir des petits volets pour les fermer. Ça, c'était tout à fait courant.
Mais ce qui est beaucoup moins courant, c'est que sur l'inventaire de 1516, il y a une petite note en marge. Il y a nécessité d'y mettre une serrure, ce que Madame, donc Marguerite d'Autriche, a ordonné de faire. Bon. Donc, Ernoux le Fin. Et là, en 1857, deux historiens de l'art qui s'appellent Crowe et Cavalcassel, un anglais et un italien, posent une équation qui n'a jamais été démentie depuis, qui pourrait peut-être l'être, c'est Ernoux le Fin égale Arnolfini. C'est-à-dire qu'ils identifient ce personnage de Ernoux le Fin à un membre de la famille Arnolfini. Alors les Arnolfini, c'était des marchands et banquiers, surtout marchands de soie, de tissus précieux, originaires de Lucques, dans le nord de l'Italie, et qui commerçaient avec la cour de Bourgogne, qui était une des cours les plus riches de l'époque. Et donc il y avait des membres de cette famille Arnolfini installés à Bruges. Et donc, bingo, Ernoux le Fin, Arnolfini, il y avait des Arnolfini à Bruges, il fallait un petit peu pousser les choses plus loin. Là, un autre historien de l'art qui s'appelle Weill, Henry James Weill, dans les années 1880, démontre qu'il s'agit de Giovanni di Arrigo Arnolfini et de sa femme Jeanne Senami. Et cette thèse a tenu pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que l'on découvre en 1994 que Giovanni di Arrigo Arnolfini et Jeanne Senami s'étaient mariés en 1447, donc 6 ans après la mort de Van Eyck et 13 ans après la date figurant sur le tableau. Alors que cela ne tienne, on a dit, ben, c'est peut-être des fiançailles. Mais des fiançailles, la femme porte la huve blanche, cette coiffe blanche, qui est la coiffe des femmes mariées. Et donc on a proposé comme ça toutes sortes d'interprétations qui, chacune, vont accorder une importance excessive à tel ou tel détail et passer sous silence d'autres détails. Alors je peux vous lire la liste, si vous voulez, de ces interprétations. C'est un homme et une femme qui se tendent la main et sont unis par la fidélité. Ça, c'est l'abbé Carton, 1847. Une scène de chiromancie. Un astrologue lit dans la main de la femme l'avenir de l'enfant qu'elle attend. 1852. La légitimation. Van Eyck s'est représenté lui-même, régularisant la situation vis-à-vis de celle qu'il prend pour épouse alors qu'elle est enceinte. Léon Delaborde, 1855. Le portrait de Giovanni di Arrigo Arnolfini et de sa femme Giovanna Cenami, ça c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est l'hypothèse de William Henry James Weill, alors c'est de 1861, pardon, pas 80, 1861. Un mystérieux rite nuptial consacrant l'union de Giovanni di Arrigo Arnolfini et de Giovanna Cenami en présence de deux témoins, dont Van Eyck lui-même, ça c'est la thèse, la grande thèse d'Erwin Panofsky. Et Erwin Panofsky a une plume absolument magnifique et sa thèse est extrêmement convaincante et a emporté la conviction jusqu'à ce qu'on découvre donc qu'ils étaient mariés en 1447. Un portrait de Van Eyck et de sa femme, ça c'est Maurice Walter Brockwell en 52. Le mariage morganatique, alors là ça se complique, le mariage morganatique de Michel et d'Arrigo Arnolfini et d'une certaine Elisabeth. Bon. Ça c'est Elisabeth Danas en 1980. Les fiançailles de Giovanni d'Arrigo Arnolfini et de Giovanna Cenami. Donc les fiançailles, on a vu tout à l'heure qu'avec la coiffe de la femme c'était peu probable. Un portrait de Van Eyck et de sa femme sur le point d'accoucher, Pierre-Michel Bertrand. Portrait de Giovanni di Nicolao Arnolfini, remarié après la mort de Costanza Trenta, posant en compagnie de sa seconde épouse, Lord Campbell. Un hommage funèbre de Giovanni di Nicolao Arnolfini à feu son épouse Costanza Trenta. Et un portrait de Van Eyck et de sa femme, inspiré par le roman de La Rose. Voilà. Donc, oui, une fois que l'hypothèse Giovanni di Arrigo Arnolfini était tombée à l'eau, on a continué quand même à s'accrocher à cette famille Arnolfini, parce que c'était très tentant, cette histoire de Ernoux le Fin égale Arnolfini. Et donc, on a proposé successivement Michele et Arnolfini, mais pour des raisons de chronologie et d'emploi du temps, ce n'était pas possible. Il n'était pas à Bruges en 1434. Et ensuite, on a proposé un neveu, Giovanni di Nicolao Arnolfini.
et qui lui vivait à Bruges et avait épousé une jeune femme qui était la cousine d'un pape, Costanza Trenta, la cousine de Laurent de Médicis, et Laurent de Médicis l'Ancien. Donc pendant un an, on était à peu près persuadé que le tableau représentait Giovanni di Nicola Arnolfini et Costanza Trenta. Et puis voilà qu'on s'aperçoit qu'elle est morte en 1433. Donc ça n'allait plus. Alors, sur la grossesse, par exemple, est-ce que la femme est enceinte ou pas? Alors là, j'ai mis quatre représentations. Donc la femme du tableau est la seconde à partir de la gauche. De part et d'autre, vous en avez trois autres. La femme du tableau paraît effectivement enceinte. Celle qui est à sa gauche aussi, mais c'est Sainte Christine, Vierge et Martyr, donc il y a peu de chance. Celle de droite, extrême droite en bleu, qui a exactement la même pose que la femme de notre tableau, c'est Sainte Catherine d'Alexandrie, qui a été peinte par Van Eyck également. Hein. Et en gris, c'est Sainte Marthe, qui est la patronne des mères de famille, qui, elle, n'a pas les longs cheveux dénoués des vierges, qui est coiffée, qui est une femme mariée, mais bon, c'est la patronne des mères de famille. Sur les fiançailles, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, cette coiffe était la coiffe que portaient les femmes mariées en Flandre. À gauche, vous avez donc la femme de notre tableau, à droite, Margaret Van Eyck, l'épouse du peintre, qui est assez délicieusement revêche. Et donc, les thèses de fiançailles et autres ne tiennent pas. Voilà, alors, moi je ne suis pas historien de l'art. Ce tableau, je l'ai vu un peu comme Laurent, il y a je ne sais plus quand, pour la première fois de ma vie. C'était sans doute sur une reproduction d'abord et ensuite au musée. Il m'a tout de suite intrigué par une impression d'étrangeté un petit peu inquiétante. Et voilà, je le regardais assez souvent sur des reproductions. Il se trouve que ma femme, qui est anglaise, m'emmenait assez souvent à Londres. Donc, dès qu'on était à Londres, on allait faire un tour à la National Gallery. Et puis, un beau jour, mais c'était vraiment un hasard, et c'est ce qui m'a décidé à m'intéresser plus profondément à ce tableau. En regardant le miroir, on s'aperçoit d'un certain nombre de différences entre ce que reflète le miroir et ce que nous voyons dans la chambre. Alors, je ne sais pas si c'est bien net pour vous ici, mais il y a une chose qui saute aux yeux, qui moi m'a pas sauté aux yeux, d'abord c'est pas ça qui m'a sauté aux yeux, c'est autre chose, mais c'est l'absence du petit chien. Le petit chien ne se reflète pas dans le miroir. On voit trois marches d'escalier entre l'homme et la femme, hein, je sais pas si vous les voyez bien là, et là où nous voyons ces trois marches d'escalier, on devrait voir le reflet du petit chien. Et ça, curieusement, ça a été mentionné par plusieurs, dans plusieurs ouvrages qui parlent de ce livre. Et on y a vu une maladresse, un oubli. On a pensé que Van Eyck avait peint ce chien secondairement, après coup, pour équilibrer la composition du tableau. C'est tout ce qu'on pouvait dire sur tout ce qu'on peut lire sur l'absence de ce petit chien dans le miroir. Et là, je vais peut-être vous parler un petit peu de Van Eyck, si vous voulez, si on a un petit peu de temps. Donc Van Eyck, qui est né vers 1390, voilà un autoportrait présumé qui est à Londres également, qui est magnifique. Qui est né vers 1390 et qui est mort en 1441, est entré en 1425 au service du duc de Bourgogne, Philippe le Bon.
Donc voici un portrait par Van der Weyden. La Bourgogne qui était divisée alors en deux parties. Il y avait au sud la région Bourgogne actuelle et au nord un territoire qui correspond à peu près à ce que sont actuellement la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas et une bonne partie de la Picardie. Van Eyck rentre au service de Philippe le Bon en mai 1425, quelques mois après la mort de Jean III de Bavière, qui était la personne pour qui il travaillait auparavant. Jean III de Bavière meurt assassiné, Philippe le Bon prend aussitôt Van Eyck à son service et en fait aussitôt son peintre favori. Van Eyck supplante très vite Henri Bellechose, dont voici le retable de Saint-Denis qui est au Louvre, qui peignait sans doute un petit peu trop à l'ancienne, au goût du duc Philippe. Très vite, il est reconnu comme le plus grand peintre, le premier peintre de son temps. Et les premiers commentaires dont on dispose à son sujet ont tous été écrits par des Italiens, curieusement, vers 1450, une dizaine d'années après sa mort. Et tous expriment la même admiration mêlée d'incrédulité devant son travail. On lit des phrases comme « les détails paraissent réels ». Alors voilà, « les détails paraissent réels ». Erwin Panofsky dira qu'avec Van Eyck, on assiste plus à une reconstitution qu'à une représentation de la matière. On lit aussi, écrit dans les années 1450, « les personnages semblent respirer, il ne leur manque que la parole ». Alors ces deux, ça ce sont des détails du retable de l'Agneau mystique. Les personnages semblent respirer, il ne leur manque que la parole. Là c'est le cardinal Bergatti, qui est un des artisans du traité d'Arras de 1435. C'est un portrait qui mesure à peu près 25 cm sur 34, et voici l'œil qui fait un demi-centimètre en gros. Et cet œil est d'une vérité absolument incroyable. Et évidemment, le médecin ne peut pas s'empêcher de voir autour de l'œil ce petit halo grisâtre qui l'entoure et qui signe une surcharge en cholestérol chez les personnes âgées. Voilà. Van Eyck apporte à la peinture... toutes sortes d'innovations. Il remplace le fond doré des peintures religieuses par des paysages d'une précision et d'une complexité inouïe. Panofsky, toujours lui, dira que son œil se comporte à la fois comme un télescope et comme un microscope et qu'il peint à la fois le microcosme et le macrocosme. On peut regarder un détail de ce tableau, ça c'est la Vierge au chancelier Rollin qui est au Louvre. Voilà, vous avez sur ce pont une soixantaine de personnages qui... Est-ce que vous les voyez bien? Oui. Voilà. On voit tous dans quelle position ils se trouvent, on les distingue, ils mesurent 1,5 mm sur le tableau. Il imite le marbre ou le porphyre sur le cadre de ces tableaux. Ça, c'est le portrait de Jean Deleuve, qui est un orfèvre, sans doute un de ses amis. Et il imite la gravure en trompe-l'œil. Il imite aussi, là voilà, c'est un des premiers, je pense, Laurent, un des premiers trompe-l'œil de l'histoire de la peinture. Alors après, c'est un genre qui s'est complètement dévoyé, mais là voilà, ça c'est un des tout premiers. Et il y a eu d'autres tentatives, alors je ne vous ai pas montré d'autres tentatives faites, notamment par Van der Weyden et d'autres peintres contemporains, mais véritablement, là, on est complètement au-dessus du lot, quoi. Et puis, alors, il se permet aussi quelques facéties. Par exemple, là, c'est un détail de la Vierge au chanoine Van der Pal. Et donc, c'est Saint-Georges qui présente le chanoine à la Vierge. Et Saint-Georges, dans son dos, a un bouclier, a retourné son bouclier dans son dos. Et sur la tranche du bouclier se reflète le peintre. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Voilà, là on voit ses jambes.
l'envoie sa tunique, l'envoie son chaperon rouge, l'envoie son pinceau qu'il tient de la main gauche. Hein, voilà. Et voilà. Et ça, c'est totalement nouveau, c'est totalement inédit, c'est totalement. Et il y a une maestria, il y a une virtuosité, il y a une espèce de toute puissance dans sa peinture qui est complètement stupéfiante, quoi. Hein. Bon, mais il ne fait pas qu'apporter des innovations et des choses comme ça. Et je vais encore citer Panofsky, qui disait que de la contemplation d'un Van Eyck authentique émane une étrange fascination qui ne se peut comparer qu'à la sorte d'hypnose dont on se laisse envahir quand on se plonge dans la contemplation d'une eau profonde ou de pierres précieuses. Et là, c'est le panneau central du retable de l'Agneau Mystique, qui est une des... Voilà, les plus belles peintures au monde, je pense. Voilà, donc, de la part de cet homme qui peint des personnages d'un millimètre et demi sur un pont, qui peint, on verra tout à l'heure dans le tableau, par la fenêtre, il y a un cerisier, et les cerises font 2 mm de diamètre, et sur chacune des cerises, on peut voir à la loupe le reflet, un petit carré de reflet de soleil. C'est absolument stupéfiant. Donc le fait qu'il ait oublié le petit chien, c'est le seul axiome que je pose dans le livre. Moi, j'y crois pas, et j'assume, je dis que cet oubli cette omission est volontaire. Hein. Alors, on peut, je peux vous lire un passage. Voilà. Alors, le miroir convexe du tableau mesure 5 cm de diamètre. Van Eyck y a représenté la chambre. Plutôt celui-là. Van Eyck y a représenté la chambre avec une précision de miniaturiste, une exactitude de géomètre qui atteignent leur comble dans le reflet du paysage, aperçu par la fenêtre. Un verger, puis de minuscules maisons avec leurs toits rouges et leurs millimétriques ouvertures. Depuis bientôt 6 siècles que le tableau a été peint, depuis bientôt 2 qu'il est exposé au regard du plus grand nombre à la National Gallery, des millions de personnes ont eu l'œil attiré par cette sorte d'œil globuleux vers lequel convergent la plupart des lignes de fuite du tableau. L'œil de Dieu, a-t-on dit aussi des miroirs, un œil sur la rétine duquel ne s'imprime que la réalité tangible des choses, et non les illusions, simulacres, visions ou apparences. Et voici qu'à cause du petit chien, la scène de la chambre et la scène du miroir nous apparaissent comme n'étant pas exactement superposables. Laquelle des deux devons-nous croire? Ce que nous disent nos yeux est décidément contradictoire. D'un côté, nous voyons le petit chien, nous croisons son regard. Il n'y a pas plus vivant, pas plus réel que lui. Où est-ce qu'il est, le petit chien? Non, je ne l'ai plus. Pardon. Il n'y a pas plus vivant, pas plus réel que lui. De l'autre, nous avons bon chercher, nous voyons bien que le miroir ne le réfléchit pas. De sorte que se dessinent les deux prémices et la conclusion difficilement recevable d'un syllogisme pourtant valide. Première proposition, le miroir ne reflète que la réalité tangible des choses. Seconde proposition, le petit chien ne se reflète pas dans le miroir. Conclusion, alors le petit chien est en dehors de la réalité tangible des choses. Il est illusion, simulacre, vision, apparence. Attardons-nous sur le miroir. Voilà ce que nous suggère, pour le moins, la déroutante conclusion de ce syllogisme pourtant valide. Et de fait, il suffit de prendre le temps, d'ouvrir les yeux, de comparer point par point la scène de la chambre et celle du miroir, en s'aidant aux besoins d'une loupe, et l'on remarquera de bien étranges anomalies. Le visage de la femme, par exemple. Où donc est son reflet? Les mains jointes du couple. En quel point du miroir? Qu'est-ce que cette salissure noire à la place de la main que l'homme tend à la femme? Alors, ça va être là.
Qu'est-ce que cette salissure noire à la place de la main que l'homme tend à la femme? Et cette mèche entortillée qui s'en échappe, contourne le vêtement de l'homme par derrière et se dissout à proximité de la fenêtre ouverte, qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'obscur et de confus se dessine. Nous voyons à présent dans un miroir d'énigmes. Alors voilà, on a les mains de l'homme et de la femme sont invisibles. Ou plutôt, on ne voit pas la main. Ah, zut. On ne voit pas. On voit une petite chose ici, qui est sans doute la ceinture que porte le personnage bleu. On voit, alors la femme est vêtue d'un surcot vert et une robe de soie bleue, et elle tend le bras comme ça vers son époux, mais on ne voit pas la main. À la place de la main de l'homme, on voit ça, et puis cette espèce de tortillon là qui s'en échappe comme ça. On voit bien la nuque de l'homme ici. On ne voit pas un centimètre carré de la chair de la femme, de même qu'on ne voit pas un centimètre carré du petit chien. Alors, peut-être que vous me voyez venir. Voilà, le miroir convexe devrait étirer en longueur la main de la femme. Une main, c'est à peu près large comme un visage. Vous voyez dans le miroir la taille qu'ont les têtes respectives de l'homme et de la femme, et les mains devraient avoir exactement la même taille. Le visage de la femme, je ne serai pas affirmatif à 100% dessus, mais tourné de trois quarts comme elle est, on devrait en voir une petite partie, peut-être les cornes de résille qu'elle porte sur les côtés, peut-être le bout de son nez, mais en tout cas on ne voit rien. On ne voit pas sa main, on ne voit pas son visage, comme si ce vêtement était une chrysalide vide. Voilà. Et donc, j'en étais là de ces constatations étranges qui me fascinaient de plus en plus. Alors, en fait, je ne suis pas parti du petit chien. Moi, c'est en regardant un jour un agrandissement du miroir que je me dis, mais où sont les mains? C'est pas possible. Alors, on fait des expériences, on peut tous les faire avec un miroir convexe, avec une théière en métal, avec n'importe quoi. Vous mettez les mains devant et vous verrez. Enfin, c'est très facile de faire. Ou dans ces miroirs, il y en a un peu partout, ces miroirs qu'on met au carrefour pour signaler l'arrivée d'une voiture, ils sont tous un petit peu convexes comme ça. Et c'est une expérience qui est très, très facilement reproductible. Et là encore, le reflet de ce miroir est un chef-d'œuvre d'optique. Et je ne peux pas croire, encore une fois, c'est le seul axiome que je poserais, je ne peux pas croire que ces différences-là soient l'absence des mains, l'absence du petit chien soit volontaire. Et puis il y a cette espèce de tache noire et ce tortillon qui s'en échappe là. Qui intriguent et qui eux sont peints. C'est pas le tableau n'est pas abîmé, c'est vraiment des choses qui ont été peintes. Voilà. Alors, on le retrouve ici. Hein. Et là, il s'est produit une sorte de hasard qu'on peut qualifier de miraculeux ou qu'on peut qualifier de, je sais pas, enfin quelque chose de très étrange, enfin qui m'a je m'intéressais, je lisais Balzac, Prosper Mérimée, Stendhal, qui tous dédiaient des ouvrages, des recueils à Charles Nodier. J'avais jamais rien lu de Charles Nodier. Et un jour, je vois sur un site de vente internet, de livres d'occasion, je rassure Odile, un titre de Charles Nodier qui s'appelle Infernaliana. Bon, je me dis, je vais lire Charles Nodier, puis ça a l'air d'être un peu du fantastique, donc ça peut être drôle. Et là, je tombe sur une histoire que Charles Nodier a prise de Don Calmet,
qui lui-même l'a prise de, des opus théologiques de Philippe Melanchthon. Alors Philippe Melanchthon, ça nous rapproche un peu de la date du tableau, il est né en 1497, il est mort je ne sais plus quand. C'était le compagnon de Luther, hein, donc un des fondateurs de la Réforme. Et je tombe sur ce texte. J'ajouterai à cette histoire celle qui est racontée par Philippe Melanchthon, dont le témoignage en cette matière ne doit pas être suspect. Il dit que sa tante, ayant perdu son mari lorsqu'elle était enceinte et près de son terme, elle vit un jour sur le soir deux personnes entrer chez elle. L'un avait la forme de son mari décédé et l'autre celle d'un franciscain de haute taille. D'abord, elle fut effrayée, mais son mari la rassura et lui dit qu'il avait des choses importantes à lui communiquer. En même temps, il pria le franciscain de passer dans le poêle voisin, c'est-à-dire dans la chambre voisine, en attendant qu'il lui fait connaître ses volontés à sa femme. Alors, il la pria de faire dire quelques messes pour le soulagement de son âme, et l'engagea de lui donner la main sans crainte. Comme elle en faisait difficulté, il l'assura qu'elle ne ressentirait aucun mal. Elle lui donna la main, puis la retira sans sentir aucune douleur, mais si gâtée de brûlures qu'elle en demeura noire toute sa vie. Après cela, le mari rappela le franciscain, ils sortirent et disparurent. Melanchthon croit que c'était deux spectres. Il ajoute que l'on connaît plusieurs exemples semblables rapportés par des personnes dignes, très dignes de foi. Et en dessous, il y a donc la référence. Alors là, c'est le texte de Don Calmet qui date de 1750, qui est dans un... Naudier l'a modernisé, c'est moins intéressant, là, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de main brûlée ? Alors, cette histoire de main brûlée, voilà, on a un homme qui vient voir sa femme, qui lui demande de faire dire des messes et de prier pour le salut de son âme, qui l'engage, qui lui demande de lui donner la main, qui lui assure qu'elle ne ressentira aucun mal, elle lui donne la main, elle ne ressent aucune douleur, mais elle a la main complètement brûlée. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Là, il faut qu'on fasse un petit détour par le purgatoire. Vous savez que lorsque nous mourons, notre corps se décompose, notre âme, si elle n'est pas immédiatement damnée ou immédiatement sauvée, va subir pendant un certain temps des épreuves purgatoires qui, depuis le XIIIe siècle, ont été codifiées, et c'est le feu purgatoire. Avant le XIIIe siècle, alors chez Dante, par exemple, il peut y avoir, ça peut être le froid aussi, ça peut être d'autres... Mais là, à l'époque où nous sommes, c'est le feu. Hein. Donc la nature des épreuves purgatoires est la même pour tout le monde. Leur durée varie d'une personne à l'autre, selon ce que fut notre vie sur Terre, et selon les journées d'indulgence qu'on a pu acquérir de son vivant. Alors ici, c'est un détail d'un tableau d'Enguerrand Carton qui était à Villeneuve-les-Avignon. C'est le couronnement de la Vierge. Alors on voit un ange qui tire un pape du purgatoire pour l'amener au paradis. Hein. Et voilà. Et on a un diable qui emmène un évêque et un cardinal en enfer. Hein. Voilà. Donc, la durée des épreuves du purgatoire, qui va dépendre de ce que fut notre vie, du nombre de journées d'indulgence qu'on a pu acquérir de son vivant. Alors, les indulgences, je pense que vous voyez tous ce dont il s'agit. Hein. Si vous récitez le petit office de la Vierge en entier, vous avez droit à 10 ans d'indulgence. Hein. Mais ça dépend aussi, et là, c'est une trouvaille économiquement assez géniale de l'Église, ça dépend aussi de ce qu'on appelle les suffrages des vivants. C'est-à-dire que les vivants peuvent agir sur le destin des morts. Et ils peuvent agir comment ? En faisant dire des messes, en faisant l'aumône, en faisant des pénitences, en mettant... Voilà, quand vous mettez 1 euro dans un tronc pour les âmes du purgatoire, vous soulagez, je ne connais pas le barème, mais vous soulagez un petit peu la souffrance de la personne défunte à laquelle vous pensez. Et...
les suffrages ont pris une, donc ce qu'on appelle les suffrages, hein, ont pris une importance croissante à partir du XIIIe siècle. Alors ça, c'est très bien raconté dans le livre de Jacques Le Goff qui s'appelle Naissance du purgatoire ou l'invention du purgatoire. C'est un livre qui est en folio, qui est un très excellent, enfin, vraiment un travail formidable. Et donc, les suffrages des vivants permettent d'alléger, de raccourcir la durée de la peine. Hein. Donc, et il arrive même que la Vierge ou les anges autorise une âme défunte à revenir sur terre pour demander aux vivants bah, un peu d'effort pour le salut de mon âme. Hein. Et ces âmes qui sont tourmentées par le feu purgatoire ont tendance à brûler tout ce qu'elles touchent. Alors à Rome, à côté du Palais Saint-Ange, il y a un petit musée du purgatoire qui vaut vraiment la visite. Où l'on voit sur des linges ou sur des livres des traces de brûlures laissées par des mains de revenants. Hein ? Voilà. Et ça. Voilà. Et donc, si on en revient au tableau, qu'est-ce qu'on voit là ? Qu'est-ce qu'on peut voir ? Si on interprète le tableau à l'aune du texte du récit de Philippe Melanchthon que je vous lisais tout à l'heure, si on interprète le tableau à cette aune, on peut tout à fait y voir une femme revenue du purgatoire, qui serait symbolisée à droite par le rouge très vif du lit, une femme décédée, venue demander à son époux de prier pour le salut de son âme, ce qu'indiquerait peut-être le seul objet religieux du tableau, qui est le chapelet, qui est ici. L'homme dont on a vu, Laurent disait qu'il le trouvait blafard et fantomatique, et il est effectivement peut-être un petit peu terrifié, l'homme promet, mais il promet sans la regarder, il regarde dans le vide, il est voilà. Et donc ça, c'est la scène qu'on voit comme ça dans le tableau. Et si l'on regarde le miroir, qu'est-ce qu'on voit ? On voit, eh ben, on voit cette tache noire qui est une espèce de nuage de fumée. Et ce petit tortillon qui s'en échappe là, qui est aspiré par le courant d'air vers la fenêtre. Voilà. Donc l'hypothèse que je soutiens c'est celle-ci. C'est il y a deux images dans ce tableau. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait beaucoup trop long et là on approche déjà du terme. Il y a deux images dans ce tableau. Il y a ce que j'appelle la scène de la chambre et la scène du miroir. Ce sont Il n'y a pas une vérité dans le tableau, il y a vraiment deux images. Et on peut analyser ensuite le tableau, les détails qui composent le tableau, pour voir si tout concorde. Hein. Les règles du jeu de l'interprétation d'un tableau ont été posées une fois pour toutes par Salvator Setis dans un livre qu'il a consacré à la tempête de Giorgione. Et il dit, interpréter un tableau, c'est comme faire un puzzle. Il faut utiliser toutes les pièces, il ne faut pas qu'il y ait de trous, et il faut parvenir à une image parfaitement cohérente. Et il ne faut pas qu'il y ait un voilier de corsier, qu'il y ait de Blanche-Neige sur un voilier de corsaire. Voilà, il dit quelque chose comme ça. Et donc là, bien sûr, il s'agissait, une fois arrivé là, de voir si l'agencement des différents détails du tableau pouvait coïncider avec cette hypothèse. N'allait pas la détruire. Auquel cas, je ne serais pas allé plus loin. Quoi. Mais, alors, juste quelques-uns. Hein. On a ce chandelier, hein, ce magnifique chandelier au-dessus de l'homme et de la femme.
Au-dessus de l'homme, il y a une chandelle allumée. On la voyait bien là. Au-dessus de la femme, la chandelle est morte. Hein. On en voit une petite troisième là, qui n'a jamais été allumée. Mais ça, je vous laisse la primeur. C'est dans un des derniers chapitres du livre. Voilà. Hein. Les médaillons du miroir. Le Christ au jardin des Oliviers, l'arrestation, le Christ devant Pilate, la flagellation, le portement de croix. Le Christ est vivant du côté de l'homme. Du côté de la femme, il est mort. Il est mort, mais il y a l'espoir de la résurrection. Et cet espoir de la résurrection, il est lié aux prières que fera l'homme pour le salut de sa femme, aux messes qu'il fera dire à sa mémoire, aux donations qu'il fera à l'Église, etc. Un autre détail qui est particulièrement touchant, je trouve, c'est la main de la femme se trouve entre un lion hein, qui décore le dossier, bon, vous le voyez tous, c'est pas la peine, voilà, qui décore le dossier de l'accoudoir, pardon, de la chaise gothique qui est contre le lit, un lion, et puis là, un personnage avec des oreilles de chat, des sabots fourchus, une bavette, un bavoir, enfin bon, qui est une représentation assez convaincante du diable. Et on a cette expression en français qui existe encore dans certaines régions, c'est être tiré à Dieu et à diable. Et voilà, la main de la femme se trouve entre Dieu et diable. C'est-à-dire que son sort dans l'au-delà n'est pas encore déterminé. Et peut-être revient-il à l'homme de le déterminer. Et puis, dernière petite chose, par la fenêtre, donc on voit des cerises. On voit un cerisier et des cerises, ces cerises dont je vous parlais tout à l'heure, là, qui font... voilà, la résolution n'est pas assez bonne pour voir les détails. Mais, et la cerise, ça, j'étais... C'est-à-dire, à partir du moment où je suis parti sur cette hypothèse de la revenante, je savais un petit peu ce que je cherchais. Et quand j'ai vu que les cerises représentaient le fruit du paradis, les cerises symbolisaient en quelque sorte le paradis, de même que les vers circulaires des fenêtres en haut, le cercle symbolise la perfection divine, l'orange posé sur le rebord de la fenêtre, alors orange en flamand se dit Sinas Apple, et chez les maîtres flamands, l'orange remplace très souvent la pomme dans les tableaux religieux comme représentation et cause du péché originel. Et donc, on se trouve avec une construction du tableau qui, j'espère, vous convaincra. On a à droite ce rouge, le purgatoire d'où arrive la femme, ensuite la femme elle-même, l'homme dont la main est tout entière dans le camp du côté de la femme, et puis à gauche cette espèce de figuration du paradis auquel l'homme l'empêche d'accéder. Il est, par rapport à elle, il est devant la fenêtre, enfin il l'empêche d'accéder. Voilà, et elle n'y accédera peut-être que s'il prie, s'il fait dire des messes et s'il s'occupe un peu plus du salut de son âme. Alors il y a beaucoup d'autres choses dans ce tableau, mais on va peut-être en rester là ce soir. Je vous ai dit à peu près l'essentiel de la thèse. Après, on part un peu plus sur des sables mouvants de toute façon. Mais voilà, quoi. Donc c'est un peu l'histoire de ce tableau et puis l'histoire de ce livre et voilà et qui m'amène ici ce soir. Et je suis très heureux d'être là avec vous. Voilà, ben, je vous remercie.